Tu ne le sais peut-être pas, mais la souffrance au travail atteint des sommets dans les stades. Psychologues et professionnels de la médecine dite alternative viennent au secours de ces personnes en souffrance au travail. Certaines de mes consultantes viennent avec cette interrogation. Est-ce que je souffre réellement ou est-ce simplement passager, voire un caprice? Je leur réponds souvent. Si tu te poses la question, c'est que tu ne souffres pas, n'est-ce pas? Le mot souffrance est-il mal choisi? Très souvent, cette question résonne comme le tonnerre et leur réponse est très chargé émotionnellement. Si tu te demandes encore si ta souffrance, ton mal-être n'est qu'un caprice, écoute-toi. Fais attention aux mots que tu utilises. Parle à voix haute, enregistre-toi, écris-toi une lettre, relis-la ou mieux encore, fais-la relire à quelqu'un de confiance. Et tu verras, si finalement cela ne t'affecte pas tant que ça, peut-être est-ce passager, un caprice si tu préfères. Mon conseil, ne te laisse pas emporter par les jeux de l'esprit. Cherche de l'aide. Parle de ta souffrance au travail autour de toi, au minimum. Tu n'es pas seul.